franchement. Ta mère vient chez moi, elle me manque le respect. Je peux comprendre, c'est ta mère. Ta petite soeur, qui peut être en mariage également, me manque le respect chez moi. La totale. Ton grand frère, il me gifle devant toi. Et ça ne peut plus se passer comme ça, Chou. Il va demander les excuses devant toi. Moi, je l'ai convoqué. D'accord, je l'ai convoqué. Franchement, il ne peut pas permettre que ça. C'est de trop. C'est quoi? Petit, c'est comment? Non, ça va, grand frère. Mais tu m'appelles du Jean-Lène Magaré dehors. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Dis alors. Rien comment? Parle, non! Grand frère, depuis ton dernier passage ici, là, mon couple n'est plus stable. Comme tu avais giflé ma femme, je veux que tu lui demandes les excuses. Petit, tu es encore moi? Tu mets les excuses à qui? Il te met les excuses à qui? Tu oublies qui suis-je? Juste ton grand frère, c'est quoi ton job de famille? Il te met les excuses à qui? C'est elle qui demande les excuses. Tu es malade, tu m'appelles pour les histoires? Elle te prend où là? Ouais, grand frère, s'il te plaît. Excuse. C'est elle qui me met les excuses. Demande alors les excuses. Hey! Tu es comment? Pourquoi tu es mou comme ça là? Demande les excuses. C'est la même chose que j'appelle. Tu as vu? Il t'a fait une infâme. Tu auras besoin de ici. Demande les excuses sur quoi? Grand frère, désolé. Hey. Désolé, j'ai même un grand vin là-bas, je peux te donner. Pour que tu rentres avec. Petit, ton cas est grave.